girls, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les meilleurs conseils pour bien faire tenir son maquillage des yeux. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cannes et ces techniques, je les utilise tout le temps sur mes clientes parce que la plupart du temps, que ce soit pour des mariages, pour des anniversaires, pour des baptêmes, etc., on veut que son maquillage tienne le plus longtemps possible. Donc je vais partager avec vous mes meilleures astuces pour bien faire tenir son maquillage des yeux, c'est-à-dire faire tenir le maquillage de ses sourcils, ses fards à paupières, son eyeliner, son mascara, ses crayons. Bref, les fards à paupières qui coulent, le mascara qui transfère, etc. Ça s'arrête après cette vidéo, ok? Donc si vous êtes prête, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis. Et c'est parti! Ok, donc on va commencer par faire tenir son maquillage des sourcils. Si vous voulez vraiment que ça tienne le plus longtemps possible, je vous conseille d'utiliser soit une pommade à sourcils, soit un gel pour les sourcils qui soit waterproof. Moi j'aime beaucoup la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui fonctionne très très bien. Sinon chez NYX, ils ont aussi un gel à sourcils qui est waterproof, qui tient mais vraiment super super bien. Si vous avez peur d'utiliser ce genre de produit parce que vous n'êtes pas vraiment une experte en maquillage et notamment en maquillage des sourcils, c'est vrai qu'il faut être très très précise quand on utilise ce genre de produit. Je vous conseille d'utiliser un crayon pour les sourcils, donc un crayon de bonne qualité. Ceux d'Anastasia Beverly Hills sont très bien, mais pas besoin de dépenser autant d'argent pour utiliser un bon crayon pour les sourcils. Ceux de NYX sont aussi géniaux et ceux de BH Cosmetics sont aussi mes préférés, ils tiennent très bien. Donc vous commencez par dessiner vos sourcils au crayon et ensuite vous les maintenez en place avec un gel pour les sourcils qui soit coloré. Donc ça va à la fois maintenir en place vos sourcils, donc ils vont être figés, ils vont plus bouger, mais en plus ça va vraiment protéger les endroits où vous avez appliqué le crayon directement sur la peau et ça va faire en sorte que le maquillage tienne encore mieux. Ensuite on va passer au maquillage des fards et pour ça j'ai une technique qui fonctionne vraiment super bien, c'est d'utiliser un primer. Donc vous pouvez soit utiliser un primer pour les yeux, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les 3 meilleurs primers pour les yeux et qui ne sont pas chers, à moins de 5€ à vrai dire, et ils fonctionnent très très bien. Donc vous pouvez utiliser soit un primer, soit un anti-cerne crème, mais attention que ce soit un anti-cerne de bonne qualité qui tienne bien, soit une fard à paupières crème waterproof, mais encore une fois il faut que ça tienne bien et que ce soit pas le genre de produit qui s'agrège ensuite dans les plis. Donc vous appliquez ce primer sur toute la paupière jusqu'au sourcil, donc choisissez-le de préférence de la couleur de votre peau ou transparent, et ensuite vous venez appliquer par-dessus une poudre translucide qui va se fixer sur le primer, donc qui va encore mieux permettre de le faire tenir et de faire tenir vos fards, mais la poudre translucide va également permettre de mieux estomper vos fards par la suite. Donc non seulement votre maquillage va mieux tenir, mais en plus vous allez pouvoir appliquer vos fards de manière plus précise, c'est-à-dire que quand vous allez décider de le mettre là, votre fard ne va pas s'étaler sur toute la paupière alors que c'est pas là du tout que vous avez voulu l'appliquer, mais en même temps il sera assez simple de le travailler et de l'estomper grâce à la poudre translucide qu'on aura mis en dessous. Le primer c'est vraiment super important, surtout si vous avez tendance à avoir des plis sur les yeux ou si vous avez les paupières tombantes, c'est déterminant, je vous en parle tout le temps. Et d'ailleurs encore une fois, si vous avez 50 ans et les paupières qui commencent à tomber, vous avez déjà les paupières tombantes, allez voir ma vidéo sur les 8 erreurs que vous faites sûrement avec le maquillage de vos paupières tombantes et qui explique que non seulement votre maquillage coule, qu'on ne voit pas les couleurs que vous appliquez dans le creux de l'œil, et ou encore que vous ayez des yeux qui sont complètement rapetissés ou qui ont l'air tristes dès que vous vous maquillez. Donc le lien de cette vidéo est dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller voir. Pour savoir comment faire tenir son eyeliner, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite où j'explique tout ça en long, en large et en travers, donc je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo et on va passer à tout de suite comment faire tenir son mascara. On a souvent le mascara qui a tendance à couler ou parfois qui se transfère même sur la paupière supérieure, encore une fois, surtout si vous avez les paupières tombantes. Première astuce, c'est d'utiliser un mascara waterproof, évidemment. Parfois, ça suffit pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que souvent, quand ça transfère, c'est parce que vos cils sont super longs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'appliquer votre mascara, mais de ne pas aller jusqu'au bout des cils. Ça se verra pas si vous le faites bien et que vous vous concentrez. Je veux dire, si vraiment vous mettez votre mascara que à la base, là on va se dire, elle a des cils super petits, c'est super bizarre. Mais si vous l'étendez mais que vous n'allez pas jusqu'au bout des cils, déjà ça va éviter que votre mascara transfère parce qu'il n'y aura pas de mascara sur le bout des cils. Une autre astuce que vous pouvez faire, et là c'est là qu'on se dit que la poudre translucide c'est quand même la vie, c'est appliquer votre mascara et ensuite un tout petit peu de poudre translucide par-dessus
pendant que c'est encore humide, que la formule n'a pas encore séché. Ce que ça va faire, c'est que la poudre translucide, elle est incolore. N'en mettez pas trop parce que sinon, oui, ça va commencer à se voir et ça va être plus gris que noir, par exemple, si vous avez un mascara noir. Donc, n'en mettez pas trop, mais vous pouvez légèrement en appliquer sur les fards à paupières. Et ce que ça va faire, ça va permettre, encore une fois, à la formule de mieux adhérer aux cils et surtout de ne pas se transférer parce que ce sera beaucoup plus sec en fait au niveau des cils puisqu'il y aura cette poudre là. Et ce que vous pouvez faire aussi si vous avez tendance à avoir le mascara qui coule juste en dessous quand vous appliquez votre mascara, c'est appliquer une couche épaisse de poudre translucide, appliquez votre mascara, continuez à faire vos affaires pendant environ 5 minutes et ensuite enlevez la poudre et vous allez voir qu'en fait, non seulement si le mascara doit transférer, il aura déjà transféré donc vous n'aurez plus qu'à enlever la poudre et on n'y verra plus rien, mais en même temps, à force de bouger, il y aura un tout petit peu de poudre qui se sera naturellement coulée sur vos cils inférieurs et ça permettra d'éviter qu'il coule pendant la journée. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une base à mascara. Donc vous avez, vous savez, les bases blanches qui permettent non seulement de donner du volume et de la longueur, mais vous avez également des bases blanches qui font rien de spécial et qui sont simplement des primers pour permettre au mascara de vraiment, encore une fois, s'accrocher aux cils et de ne pas couler pendant la journée et de ne pas se transférer. Autre astuce aussi pour bien faire tenir son maquillage des yeux, c'est faire tenir son crayon. Alors ça, je sais que même moi, ça a été mais pendant des années... Ça a été un enfer pour faire tenir son crayon, notamment son crayon noir quand on l'applique, imaginons dans la ligne supérieure des yeux ou même dans la ligne inférieure. Tout le temps, on a le crayon qui vient s'agréger dans le coin interne, ça fait pas joli du tout, l'œil coule, même quand on l'applique là en dessous, ça a tendance à couler entre les cils ou sur le coin externe. C'est horrible, on est d'accord que c'est pas du tout esthétique. La solution, c'est d'utiliser bien évidemment un crayon waterproof. Mais même les crayons waterproof, souvent on voit que les crayons waterproof, ça ne fonctionne pas. Franchement, moi le seul crayon avec lequel ça fonctionne pour moi, où vraiment j'ai aucun transfert. Si par exemple je l'applique sur la ligne d'eau supérieure et que j'en applique pas sur la ligne d'eau inférieure, je vais pas me retrouver avec du noir partout, ni dans le coin interne, ni rien. Donc ce crayon, c'est le crayon gel matte eyeliner de chez Marc Jacobs. C'est vraiment pour moi le seul qui fonctionne. Donc si vous en avez d'autres les girls, si vraiment vous avez des crayons qui ne fuient pas entre guillemets, qui ne se transfèrent pas, qui ne vont pas non plus dans le coin interne de l'œil. N'hésitez pas à les noter en commentaire parce que j'aimerais bien connaître d'autres crayons qui sont comme ça. Mais vraiment, je vous le mets dans la barre d'infos, le lien direct, le crayon gel matte eyeliner de Marc Jacobs en teinte ironie, c'est la teinte noire. Il est génial, il ne transfère pas. Donc faites bien attention de prendre celui-ci parce qu'ils ont d'autres crayons gel. Et ceux-là, ils sont lumineux, enfin ils sont satinés, du coup, ceux-là, je pense qu'ils transfèrent. Mais le mat, il ne transfère pas du tout, donc vous pouvez y aller les girls. Encore une fois, si vous avez une référence de crayon pour les yeux qui fonctionne super bien, qui ne transfère pas, notez-le dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez plein d'astuces pour bien faire tenir votre maquillage des yeux. N'hésitez pas à me tenir au courant. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo, donc pensez à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à très vite les girls. Gros bisous!